Hey, salut à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure Skyward Sword, c'est l'épisode 10 si je dis pas la merde. Et aujourd'hui c'est particulier parce qu'aujourd'hui, déjà je n'ai pas mis la dragon, ce que je vais m'empresser de faire immédiatement. Et en plus je vais savoir, aujourd'hui je joue debout. Hey, hey, ça promet un peu plus de fun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je joue debout, je joue... J'ai trouvé un petit câble, un bon vieux câble que j'avais pour je sais plus quoi, pour me mettre d'éteindre mon... Vous savez, une rallonge USB quoi. Plus grossi, vous vous crevez quoi. Et du coup, j'ai mon micro, je l'ai éteint à fond là, et bon, ça va pas être super pratique à des moments pour jouer, mais... L'avantage c'est que... Je peux plus trop me faire niquer par le coup de... Enfin, en même temps... D'un côté, je peux plus me faire tellement niquer par le jeu, puisque... Par le jeu, je disais donc, puisque bah là je suis assez loin de l'écran, donc il doit pas trop me casser les couilles, n'est-ce pas? Et en plus, je vais avoir l'impression de courir, vous voyez, genre ouais. Oh merde, les clés c'est terminé. Bon tant pis. Donc là on va au temple machin chouette de la déesse, n'est-ce pas? Alors je me souviens qu'on avait commencé une quête annexe que je sais pas pourquoi elle marchait pas. Donc tant pis, n'est-ce pas? Nous allons nous contenter de... Ouh, il y avait un PNJ en bas. Kiko! Bref, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez savoir, cet épisode 10, c'est ma deuxième semaine, c'est-à-dire que là, nous sommes le vendredi 25 novembre, c'est-à-dire que les 9 épisodes précédents se sont déroulés la semaine de la sortie des premières vidéos Skyward Sword, dans le sens où j'ai tout enregistré d'une traite sur 3 jours. Et là, si vous voulez savoir, nous sommes la deuxième semaine, et à mon avis, je pourrais enregistrer beaucoup moins d'épisodes. Déjà parce que samedi j'ai quelque chose de prévu, mais ça je vous en reparlerai au dernier moment, sinon c'est pas drôle. Enfin, vous ce sera déjà passé en réalité, mais... Faut que je fasse quoi? Dix heures douze minutes. Je pense que... Je sais faire quoi? Non. À quel sujet que je vais enseigner? Indice. Yes.
Tu peux pas plus m'aider que ça? Donne-moi des rumeurs un peu. 9000 rubis! Mais c'est pas ce que je voulais savoir. Tu m'aides pas vraiment en fait, tu sais. Avant on avait pas besoin de ça, mais maintenant tant qu'on l'a, autant profiter. Bah non, je suis venu pour faire joli, connerie. Là. C'est quoi ça, le temple de la terre? Ah mais j'ai déjà fait. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Oh, je suis qu'aujourd'hui je joue de la musique. Oh oh. Sortir du guépier, non. Temple de la terre. Réussi, 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 réussi. Bonus. La chasse aux insectes. Osef. Raffinerie de la neige, j'ai déjà fait normalement. Ah, ils m'aident pas. Ils ne m'aident pas du tout. Il faut que je trouve tout seul comme un grand. Comme à l'époque, quoi. Bon, à part cette énigme du cimetière où ils m'ont donné juste le plus gros ennemi qu'ils auraient jamais dû me donner. Du coup, ça va faciliter la quête. Ouais! Saloperie. Je sais pas pourquoi les chiens ils sont pas contents la nuit. Ils sont mal dressés ces conneries. Ok, il prend pas les coups des stos lui déjà. Salut. Faut bien que je le tranche. Clac. Ouh, t'as mon... Oh! C'est celle-là. D'accord, passage secret, attention. J'aurais dû sortir mon voir à châle peut-être. Ouh là 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 là, ça crée un peu. Ouh là là. Ya. Yeah. Oh. Je sens qu'il va y avoir de la fête là-dedans. What is the fuck? C'est quoi ce monstre? Non, ne me faites pas mal. Je ne suis pas méchant même si j'en ai l'air. Je suis un gentil démon. Et comme vous, vous pouvez le confesser. Je me fais peur à voir et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais ma façon seule, c'est fini.
On va dire ouais. Un démon à Célestbourg. Tout à fait normal. Mais ça ne me permet pas d'avancer dans la quête principale, il faut que je trouve. Alors, ils ont dû dire un truc dans les vidéos précédentes que je ne me souviens plus, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire? Le crabe. Réfléchissons. Faut que je me souvienne de la semaine dernière ce qu'on a pu me dire. Salut monstre, je me branle de toi, dégage. Pardon, excusez-moi, j'ai la musique dans la tête, c'est assez horrible, je l'avoue. Salle de bain, chambre de Zelda, chambre d'Ulule, chambre de Grida. Bah c'est normalement c'est la mienne. Voilà, ma chambre. Hop. Ok, donc on va dormir jusqu'au matin, n'est-ce pas? Et nous sommes à 12 minutes d'épisode. Et le matin, il se lève à l'école de chevalerie. What's the first? Ah, le jour. On va sauvegarder un coup. Hop, oui. Sauvegarder. Sauvegarder un coup. Yeah. Donner sauvegarder. Yeah. Comment est-ce que je peux améliorer? Je réfléchis, hein. Oh, attendez. Non mais je m'en fous, ce que je veux savoir c'est où c'est que je dois aller. Et de moi merde. Huh?
on s'amuse comme on peut. Réfléchissons. Tu veux pas m'aider, toi? Genre m'aider, mais vraiment m'aider, tu vois. Il m'aide pas ce con, je sais pas ce que je dois faire, je me souviens plus, ça fait une semaine que j'ai pas joué quoi. Peut-être que la tour de lumière. C'est vraiment qu'on tourne en rond là, ça m'énerve. J'aime pas tourner en rond, moi. Faut que je trouve un truc, un but. Ouais, donc déjà. Oulala, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça la quête, hein. Je peux les faire tourner indéfiniment ou quoi? Faut que je fasse gaffe aux symboles qui brillent, je pense. Là, j'ai vu le symbole briller, moi. Oui. Comme le sport, c'est par là qu'il faut que j'aille. Allez. Ça a pas l'air. Sous la lumière, joue le chant transmis par la déesse, alors une lueur se dévoilera au héros. Sous la lumière. Où est la lumière? Surtout, m'expliquez pas comment on le joue, c'est pas grave. Non. Mais bordel. Bon, vous savez quoi, on va faire une petite pause, n'est-ce pas? Je vais aller regarder l'ancien épisode et je vais voir ce qu'il faut que je fasse parce que je suis coincé. Bref, à tout à l'heure. Et donc, re... Bon, pour vous, ça a dû durer une fraction de seconde, mais moi, ça a duré... Oui, 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 oui.
ça a duré une bonne vingtaine de minutes. J'ai cherché dans l'épisode précédent où c'est qu'il fallait que j'aille et je n'en ai pas trouvé non plus. Vous savez quoi? On va faire un truc tout con. On va aller voir le père de Zelda. Et à mon avis, il a plus d'infos que ce que je ne pourrais l'imaginer. Enfin, c'est lui qui avait des textes anciens, donc peut-être que c'est expliqué dans ces textes à la con. Qu'est-ce que je dois faire là? En tout cas, j'ai tourné ce moulin, je sais même pas ce que je devais ou si je devais pas. C'est ce qu'il fallait que je fasse, c'est ce que c'est pas ce qu'il fallait. Bref, je ne sais rien. Donc, on va aller voir le père de Zelda tout de suite. Coucou! L'école de chevalerie. Alors, il est à l'étage, c'est ça? Bio, monsieur Cowboy Poera, c'est lui. Ah, bonjour. Parlez. Tu es de retour, Antoine. Tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors, tu as appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois, Zelda, c'est incroyable. Visiblement, toi aussi, tu as dû subir de rudes épreuves. Rudes épreuves? Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie. Je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai. C'est pour juste les paroles. Ah, juste les paroles, mais oui, bien sûr, les voici. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Il y a également une suite vers la tour de lumière. Deux grandes ailes, il l'incline, la voie qui mène au champ sous ses yeux se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de lumière et la tour qui se trouve dans l'impasse. Quant aux ailes, je suis pas sûr de comprendre. Il faut recréer quelque chose. Deux grandes ailes. Deux grandes ailes. Des ailes. Des ailes. Des ailes, des ailes. Alors réfléchissons d'un point de vue gamer. J'ai récupéré une jarre magique et j'ai déplacé un moulin. Un moulin que je ne peux pas déplacer sans cette jarre magique. Donc, si j'y allais à l'instinct, je dirais que la clé de l'énigme est ces trucs. Maintenant il faut trouver le second, puisqu'apparemment il y en a deux, j'en ai activé qu'un. Et il faut que je l'oriente vers la tour de lumière qui n'est autre que... j'ai trouvé l'autre moulin, mais qui est là-bas, là-bas. Tourne la tête, là. Il faut que je tourne ce second moulin vert. Donc allons-y. Je ne sais absolument pas si c'est ça, on va découvrir, mais en réfléchissant, c'est ce qui paraît plus logique. Tiens, salut. Ah, c'est pas rentré là, ça. Qu'est-ce que tu fais? Il manque un peu l'hélice là, quand même. De manière à pouvoir pivoter pour capter le vol le plus efficacement possible. Mais il y a très très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée, elle serait tombée sous les nuages. Oh putain! C'est pas croyable comme ça peut être. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on a laissé ce moulin là maintenant. Je suis dans la récupération d'hélice tombée sur terre. Mais je pourrais voir mes lucernes, mais. Ouais, en gros, c'est où? Je connais Dorco qui tient à accueillir une seule marché ouvert. J'allais dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer la ferraille sous les nuages. Ah, ça reste une piste intéressante. Donc faut que j'aille voir le mec qui me permet de réparer mon bouclier et de faire les améliorations que je n'ai pas encore faites parce que je n'ai pas les matériels pour. D'ailleurs, je pense qu'un épisode on s'occupera de ça. Hein. Je vais. On va chercher le matériel pour renforcer mon bouclier. Allez, c'est parti. Roulade. Le super. Ouais, après, putain, il y a porte à côté. Moi, je fais quoi? Je monte sur le mur. Alors. Salut Dorco. Tu fais une drôle de tête.
Allez, à vous, t'as un service à me demander. Oui. Eh, le robot tapis. Recupix. Recupix. Je l'avais sur moi. Alors là, gros coup de cul, j'ai récupéré l'huile sans le vouloir. Récupix. Salut Récupix. Mais, au fait, qui est cette personne verte? Lol. Ok. Ok, ah, ça a l'air d'être un robot en fait, dame fée. Enfin, ça parle d'onde, mais ça a l'air vraiment d'être un robot de chez robot quoi. Au 10 heures de bonne aventure. Bah ouais. Que je ne suis pas un bon voyant, me dire une femme. Le futur, on va dire. La lumière, je vois une hélice tombée du ciel, je dois la retrouver. Une montagne de feu. En contrebas du temple de la montagne de feu. J'espère que ce 10 heures de bonne aventure ne raconte pas de la merde, donc on va au temple du feu, n'est-ce pas? Puisque c'est apparemment là qu'il faut que j'aille récupérer une hélice. Alors, où est-ce qu'est le truc de... On va partir de là, tant pis. C'est reparti. Donc direction le temple du feu, n'est-ce pas? Allez. Par là-bas. Ah, dur, bon tant pis. Here we go! Ok, c'est parti. Atterrissage calculé d'ici quelques secondes. Chut libre! Trollolol. Alors.
C'est parti, on va atterrir au temple du volcan. Hop là. Alors il a un contrebas, n'est-ce pas? Oh oh. Crève. Ah ben la voilà. Oh, il en tombe en merde. Pas onde psychique. Salut. Mais lol. Bon, mais ça a pas été long, hein. Bon, mais on va retourner dans le ciel, quoi. C'est parti. Oui. Let's go to the sky. Oui, je sais, c'est pas du tout la bonne musique. Ah bah tiens. Petit robot me suit. C'est vraiment... J'aime vraiment pas la maniabilité. Hein. Ah, bah c'est automatique. Ouais, c'est automatique. Oui, c'est automatique, n'est-ce pas? Salut. Bonjour, je vous ramène l'hélice. Pour Faye, j'ai jusqu'au bout du monde. Pratique. Bah non, c'est l'hélice du moulin qui était tombée sous l'hélice. Ciao. Va réparer les étagères de sa femme. Faut que je tourne vers là-bas. Donc c'est parti, on le tourne, n'est-ce pas? Tourne vers... Voilà, voilà, j'ai décidé de parler. La femme, je vais... Pourquoi est-ce que j'essaye de parler? Et si je fermais ma gueule? Tourne et manège. Yippie, hop là-haut. Nickel. Oula. Mm-hmm. Comme ils disent, ta 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 ta. Donc direction la tour de lumière. Donc nous allons jouer de la lyre, n'est-ce pas? Hop là. Ah oui, j'avais, on m'avait dit qu'il fallait que j'enlève mon bouclier dans le genre de situation où je voulais sprinter. Bon, tant pis, c'est trop tard. C'est trop tard. Je disais donc, c'est trop tard.
le sceau d'Hyrule. Enfin, d'Hyrule. C'est pas le sceau d'Hyrule, Hyrule n'existe pas encore. Ah. La chanson de thème, si vous leur remettez pas. Ah non, des vies. Qu'est-ce qui se passe? What? Oula! Oula, oula, oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au bout de cette lumière, devrait se trouver un indice à propos des trois flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit où m'indique le ray de cette lumière. Direction le cet endroit, n'est-ce pas? Le au dernier moment. C'est un adalagon, me casse les coups. Allons-y, ça fait un peu peur, mais allons-y. Nous entrons dans une espèce de grosse roule de nuages. Cumulonimbus. What is the fuck? What is the fuck? C'est quoi ce truc arc-en-ciel là? What? Esquive, esquive. Gros vent. Viens voir ce que c'est que ça. Rien. Ok. On trace la route. Putain. On dirait un donjon. Ah, un cube de la déesse. Enfin, un coffre. On va faire le terrisse là. What the? Féora, pour cette île figure dans ma mémoire. Il s'agit de l'île au champ. Ceci est un mécanisme de contrôle. Les pierres incassées réagissent sûrement à la force de l'épée. Ok. Fais tourner le pied, former le pont qui te permettra d'entrer dans la tour de l'île au champ. Pourquoi fallait que je fasse le grand tour?
C'était trop facile, non, quand même. Alors. Ok, d'accord. Vous voyez là, je bouge des trucs différents. Et là, j'ai bloqué. Nickel. Là, on vous dit, j'ai bloqué le truc central. J'arrive à les aligner en fait. Alors, c'est de là, c'est bon, c'est aligné, mais celui-là, comment je pourrais? Faudrait que je trouve un endroit où... Voyons voir. Non. Je sais. Je vais y arriver. Non, dans l'autre sens. Là, en fait, ça, faut que je les bloque un à un. Allez voir. Hop. Là, je vais tourner. Hop, là, il va se bloquer. Hop, là, j'aligne les deux derniers. Maintenant, il faut que j'aligne les deux. Le dernier, là, le premier avec les derniers. Pour cela, on va tester un truc. Oh, attendez, peut-être que ce serait mieux comme ça. Non. Voilà. Vous allez voir. Hop. Et hop. Là, tout est aligné. J'ai plus qu'à ouvrir. De manière nickel. Ça, c'est bon. Et normalement, ça devrait être bon. Plus que Link pousse. Et normalement, je pourrais accéder. Nickel. Voilà mon bon pour accéder. À l'île au champ. Et bien sûr, par un petit trou. N'est-ce pas? C'était trop bien. C'était trop sophistiqué. Oui, de me faire une entrée classe à tout ça. Non. Allez, je rampe. J'arrête. Statue de zoo. Oh, c'est pas un donjon, puis dans le sens où je peux pas faire demi-tour. Allons-y, continuons. Hop là. Bidum. Oh, une statue de la déesse. Vas-y, dis message. Toi qui t'es mis en quête des trois flammes sacrées, des abîmes du temps, mes mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, toutes les trois découvrir les reliques divines, tu devras acquérir, pour qu'elles te soient remis, ces talismans sacrés, d'exigeant tes épreuves, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées l'éclat t'enchantera. Or écoute ce chant ouvrant quand il résonne l'épreuve que renforme la forêt de Firon. Voilà, mais c'est injouable ça, la Wiimote. What the fuck? Ok, nous sommes entourés de célestriers, c'est tout à fait normal. Non, n'est-ce pas, monsieur Dagger? C'est tout à fait normal.
Le courage de Faror. Tel est le nom que ce champ veillant, que ce qui vous dégage un maître. Faror, une des trois divinités. Faror. Le courage de Faror, la force de Deng et la sagesse de Nairu. Et ainsi obtenir une relique sacrée. Détecter l'entrée de l'épreuve. Direction la forêt de Firon. De Faron. Firon. Pareil. Truc. Bref. Entrée de l'épreuve. Cœur. Hop. Bonjour, je voudrais sauvegarder. Alors. Là, il va se passer un truc. Genre, il y a un mec qui va m'agresser ou... dans le style. Donc nous sommes dans un cumulonimbus, n'est-ce pas? Pas large, très sympathique, les messieurs. On les survole un coup. Non, 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 non. Et hop, on s'en va. Direction la forêt de Faror. C'est parti. Putain de merde. Casse couille cette tornade. Hop là, allez, vole, envole-toi, il va faire un piqué, un magnifique piqué. Fonçons vers le soleil, to the sun. Oulala, 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 oulala. Non, ceci est un fail, je voulais recentrer ma Wiimote, j'avais oublié que... J'avais oublié que c'était le truc pour descendre un chute-pied. Pardon, excuse-moi, j'étais un peu imprécis, je voulais pas te blesser. J'ai envie d'atterrir là. T'es sérieux? Ah, j'ai choisi mon endroit, moi. Mais vous savez quoi? Je vous laisse là. Aujourd'hui, ce sera un épisode un poil de cul plus court que d'habitude. Quoique, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouve demain pour la suite de l'aventure Skyward Sword et découvrir l'entrée de notre épreuve. Ciao les gens. Yeah!